Salut tout le monde, c'est Okil, on se trouve aujourd'hui pour le premier épisode du Let's Play sur Batman Arkham City sur Xbox 360. Je démarre tout de suite une nouvelle partie pour pas perdre de temps. Voilà. Donc, utiliser code, non. Continuer sans Catwoman. Parce que Catwoman c'est avec DLC. Démarrer le mode histoire. Alors, difficulté, on va mettre normal. Les sous-titres, oui. Luminosité, ok. Astuce, oui. Ben, très bien. Donc démarrer la partie, donc Batman Arkham City, j'avais déjà fait pas mal de... J'avais fait une partie, donc j'avais joué énormément à ce jeu, tout simplement, parce qu'il est juste génial. Je vous laisse la cinématique. Pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. L'intro est cool. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros. Tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. On ch'taggy. Les mains en l'air, Wayne. On tient Wayne. Cible sécurisée. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Voilà, nous sommes sur cette chaise pour commencer cette aventure. Alors, si vous voulez que je vous raconte légèrement le scénario, et ben en fait, dans le premier épisode, donc Batman Arkham Asylum, il y avait le Joker qui était la principale menace, et maintenant, absolument tous les détenus de Arkham Asylum sont allés à Arkham City, c'est-à-dire qu'en fait c'est un quartier de Gotham qu'ils ont transformé en centre pénitentiaire. Donc voilà, donc pour l'instant on va pas dire que je suis totalement Batman, je suis Bruce Wayne. Voilà. Il faut aller par ici. Alors je suis assez lent parce que Batman est menotté, enfin Bruce Wayne plutôt. Allez, cassez-vous, putain. Bruce Wayne, t'es sur ma liste. Je peux pas taper en plus. Baissez vos armes, Monsieur Wayne. Oui, baissez vos armes. Pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses. Donc voilà, donc là normalement je suis dans l'insertion pour m'emmener à Arkham City. Et là c'est le Docteur Strange qui est la deuxième plus grosse menace
pour Arkham City après le Joker. Et c'est lui qui va mener le protocole 10. Donc de toute façon on va le voir prochainement. Voilà, on me fait une allée d'honneur. C'est là que ça va être la baston. Donc là vous voyez, on peut contrer avec Y. Et puis triangle pour PlayStation à chaque fois qu'il y a ces petits éclairs bleus. Voilà. Sauver Jack Ryder. Donc lui c'est un journaliste. Puis là j'ai pas pu contrer hein. Donc là je suis capturé par le pingouin. Voilà. Et donc Batman Arkham City c'est un open world. Un jeu d'action aventure open world. On a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je peux le contrer aussi celui-là, mais... Voilà, dans ton cul. Je l'ai bousillé, le pauvre pingouin. Donc je suis un petit peu habitué au jeu, même beaucoup. Puisque j'ai passé énormément de temps, je sais pas exactement combien, mais voilà. Et les contres sont très rapides. Et puis ça c'est vraiment cool. Mais les combats dans l'ensemble sont assez simples. Hein. Si on maîtrise bien, si on a pas mal de réflexes, ça peut très bien aller. Voilà. Et donc là, l'expérience augmente. C'est-à-dire que Batman peut avoir des points de skills également. Et à chaque fois qu'il réussit un combat, il retrouve sa vie s'il en a perdu. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Alors là, c'est un petit peu rigide. Hein, le gameplay, c'est normal parce que on n'a pas notre costume, mais après qu'on va avoir le beau costume de Batman, eh ben on va être beaucoup plus fluide. Voilà. Et c'est un jeu qui est sorti en 2011 aussi. Si je me souviens bien. Vous avez les coordonnées ? Presque, monsieur. Ouais, c'est octobre 2011. La version PC est sortie bien après la sortie console. Progresser le long du rebord, voilà. Alors, les trucs d'escalade, il y en a très peu, hein, parce que après vous allez avoir le grappin et tout, donc... Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne... Ouais, il sait que Bruce Wayne est Batman. Et lui, il ne doit surtout pas révéler ce secret à tout le monde. Puisque après, s'il découvre son secret, bah Bruce Wayne sera complètement, on va dire, en faillite. Et puis ce sera un gros scandale, quoi. Alors j'avais déjà remarqué sur la vidéo sur Dark Souls qu'il y a un petit décalage entre ma voix et le son du jeu. Donc voilà, venez m'excuser pour ça, j'y suis totalement pour rien, j'ai essayé sur logiciel de régler le problème mais malheureusement non. S'habiller, donc voilà, je kifferai m'habiller comme ça le matin, mais bon voilà quoi, je ne suis pas Batman, pas encore. Et ce déguisement, vous pouvez le changer avec certains DLC et des cheat codes. Vous pouvez même choisir Batman en mode cartoon années 50, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et le déguisement de Batman change à travers le temps. C'est-à-dire que si vous allez recevoir pas mal de balles durant l'aventure, eh ben votre cave va être trouée. Donc là, premier gadget qu'on utilise, ça s'appelle un décrypteur. Et donc ça, c'est pour décrypter les messages codés. Donc voilà, par exemple, on met sur une zone...
décoder. Voilà. Alors, il y a plusieurs ennemis dans le jeu. Il y a les ennemis qui sont les sbires du Joker, du Pingouin, de Double Face. Il y en a qui sont à peu près neutres, entre guillemets. Il y en a de l'homme mystère. Alors, l'homme mystère, il travaille beaucoup clandestinement, c'est pas trop le mot. Mais on va dire un petit peu solitairement, un peu foireusement. Donc, il se peut que dans l'aventure, vous rencontriez des membres du Pingouin qui sont qui appartiennent à l'équipe de l'homme mystère. Puis des fois, il peut y avoir des changements, etc. Mais bon, voilà, c'est pas très intéressant. Voilà, Catwoman. Alors, si, sans vous spoiler bien sûr, mais si vous avez le DLC Catwoman, eh bien vous commencerez non pas l'aventure avec Batman, mais avec Catwoman, où vous ferez capturer, et après vous commencez avec Batman. Voilà. Et il peut y avoir pas mal de choix. Donc voilà, le petit grappin. Très utile. Et donc là, c'est mon objectif. Qui est en lumière. Et donc voilà, là c'est une attaque tombée que je fais. Voilà, et après on peut les achever parce que ils ont des points de vie, mais quand on les achève, après voilà, ils sont totalement KO et puis il ne vous embêtera plus pendant quelques temps. Et le respawn est assez correct. Voilà. Voilà. Les combats sont très dynamiques. Ils font un petit peu penser à ceux de Sleeping Dogs. En moins gore. Certes, mais... Voilà. Et on peut jouer, enfin on peut réussir un combat sans perdre une seule vie juste avec le bouton Y. Ça c'est possible. Puisque... quand il fait des contres, c'est pas que de la défense, c'est un petit peu aussi d'attaque. Alors je sais pas si je peux rentrer par là. Oui, il me semble que oui. Très bien. Donc là on va commencer par voir Double Face. On va dire le premier boss du jeu, si on peut appeler ça un boss. Parce que tous les méchants dans ce jeu sont un petit peu lâches et bon, ils envoient... beaucoup de leurs sbires vous tuer. Donc par exemple le Joker, va y avoir énormément de boss très différents et moi j'ai énormément, ah d'accord, et il y a aussi énormément de retournements de situations, de scénarios, etc. Je vous laisse la cinématique. Double Face est très très bien fait. On peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. T'aurais pas fait un peu de chirurgie. Voilà. C'est pour nous avoir volé. Personne. Oh, je suis désolée. Bien chaton. C'est marrant. Et je te revaudrai. Ouais, pas mal l'effet spéciaux, bien. Le procès. Voilà, et après à chaque fois vous allez avoir des biographies, donc par exemple ça, voilà. Harvey Dent, profession criminelle professionnelle, oui. Ça revient assez souvent, je l'avoue. Alors bien sûr, comme c'est un open world dans Batman Arkham City, vous n'allez pas avoir... Que la quête principale, même si elle est très longue et représente énormément du jeu, mais aussi les quêtes secondaires. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Comment se baisser ? Élimination silencieuse, voilà. Aujourd'hui, nous allons proposer à chacun d'entre vous une toute nouvelle opportunité. Marcher sur le câble. Deux opportunités. Rejoignez-nous. Voilà. Faire des petites attaques
comme ça. Et là, il va y avoir beaucoup d'ennemis. Et ce qui est normal. Mais bon, là, il y en a beaucoup qui se barrent. Donc finalement, ça va être une petite zone de mob. Sans être exceptionnel non plus. Voilà. Et il sait du décor, Batman. Et puis c'est ça qui est cool. Et franchement... Normalement cet épisode là ça a été le meilleur de la série d'Arkham City, parce que l'origine a un petit peu déçu. On va attendre de voir ce que c'est le Dark Knight. Mais voilà, pour moi, bon, j'ai pas joué au Asylum, mais franchement ce jeu est excellent. Et si vous voulez jouer, c'est énorme. Voilà, double face, c'est très méchant. Pile ou face, joli minou. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Ah, celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis. Voilà, bien. Elle avait plus d'un tour dans son sac, hein. Pas de flingue, Harvey. Dommage. Ça va te faire très mal. Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir vie. Alors les gameplays de Catwoman et puis de Batman sont tous les deux très différents. Ça va être beaucoup plus être infiltration et puis légèreté avec Catwoman, et puis ça va être peut-être un peu plus de brutalité avec Batman. Est-ce que voilà. Quelqu'un t'a déjà dit que t'es plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années, et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker, et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Cet ex-procureur ici présent... Ça, c'est le Joker. Le rire du maniaque, du Joker, j'adore. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. Mais oui, bien J'ai sûr. Une vie, tu sais bien. Interroger le Joker pour savoir plus sur le protocole 10. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal. Voilà. Ainsi que son analyseur d'indices. Donc voilà, donc ça c'est un autre gadget. Maintenant il faut que je trouve l'impact de balle. Ou plutôt, voilà, ça. Sur le mur. La balle est donc entrée par cette fenêtre. Voilà, et elle s'est logée là. Alors Batman n'est pas seulement... une brute, mais aussi la trajectoire un détective. La balle me mènera au tireur. Waouh, l'analysateur. Et ça venait de l'église. Tiens donc. Voilà, donc ça c'est les sbires du Joker qui sont très... voilà quoi. Très spéciales et qui font très peur. Localiser la source du tir du sniper. Dans 10 heures. D'accord. C'est cool. Où faut que j'aille? Bah, je vais peut-être retourner sur mes bancs en fin de compte, hein, parce que... Mais oui, bien sûr. Putain, mais je venais d'où? J'ai un manque d'orientation dans ce jeu, c'est atroce. Ah, d'accord. Donc là, j'étais là. Après, je descends ici. Mais en fait, j'étais dans la bonne direction. Voilà.
Et franchement, l'esthétique du jeu elle est vraiment énorme. C'est post-apocalyptique. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Puis il est beau, hein. Il est très beau. Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée. Donc là, on peut entendre les discussions des détenus. Un petit peu. Tu crois? Et puis ça, ce sont les énigmes. Alors, les énigmes, c'est-à-dire que par exemple, vous appuyez sur ça. Et vous appuyez sur le truc tout en bas là-bas. Et normalement, il y a le petit truc mystère qui s'ouvre. Mais bon, pour l'instant, je vais pas le faire. Hein. C'est pas mon but. Et la bande son aussi est très jolie. Et il y a beaucoup de grands compositeurs qui ont composé la musique. Mais ils ont repris celle aussi des films un petit peu. Donc là, il y en a trois. Ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Il y a ta gueule. Bouh. Et ça a été fait par un studio assez jeune, Rocksteady. C'est un studio vraiment pas très vieux et extrêmement doué. Voilà. Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Bah oui, Harley Quinn, bien évidemment. Voilà la femme du. Quinn n'a jamais été une lumière. Du Joker, bon, si on peut appeler ça sa femme, hein, parce que bon, voilà quoi. Dans la famille du Joker, il n'y a jamais eu de très grands seins, on va dire. Centre médical. Couvrir la porte. Voilà, dans ta gueule. Ouais, bien n'importe comment. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Compte voyons, évidemment. Ah, Monsieur J, c'est bien sûr le Joker. Putain, j'aimerais trop la frapper là. Comment ça m'énerver? De forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la salle. Voilà, donc on va se prendre un café. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Bombe fumigène! Reste où tu es! Ils ne savent pas où je suis. Bien, le mode détection, ça c'est super utile. Et de planifier ma stratégie. Quatre voyous tous armés. Peut-être. Bien sûr. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Donc là, je dois. Comment dire? Récupérer les petits otages. Ah voilà. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, lâché. Je pourrais les éliminer en un coup. Tout en douceur. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je ne vois pas. Ils peuvent venir de partout. Double élimination. Voilà. Ah non, je me remets vite fait. Ça va aller. Premier otage. Attendez ici, il y a un otage. Donc là, ça fait un petit peu office de tutoriel, voilà. L'éliminer depuis ce poste. Voilà. Bim. Ils m'ont vu ? Non. Bien sûr que non, je pense pas.
Voilà, quand on voit la petite cinématique, c'est-à-dire qu'on est dans le bon timing. La vision. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. Très bien. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Je fais bien la voix de Batou. Près d'un panneau de bois. Élimination. Voilà. Cool. Voilà. La pièce est voilà, sécurisée. Tout se passe bien. Tout va bien se passer. Ouais, de rien. Il va tout me parler, lui, normalement. Non ? Oui, je pense. Allez. Vas-y, allez-y. Dites un dialogue, un truc. Non, parlez à médecin. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à venir ici pour faire ça? Pourquoi nous tuer? La seule priorité de Quinn, c'est de protéger le Joker. Elle est de rien. C'est ce que je vois. Eh bien, merci, Batman. C'est drôle. Je pensais que les gens seraient contents de nous avoir ici. Je crois que j'avais tort. Voilà. Donc là, je dois sortir, je pense. Ah non, peut-être pas. Ouvrir la porte. Je crois que je dois aller tout là-haut. Ouais, c'est un truc comme ça. Normalement, il y a... Voilà. Ça, le petit truc, là. Si je me mets là... Et que j'utilise... Utiliser la Batcriffe. Non. Batarang... Batcriffe. Ouais, bon, bref. Batcriffe. Ah. Voilà. Trouve. Voilà. Et en fait, à force de trouver les trophées, ça peut enchaîner sur des quêtes du genre trouver l'homme mystère, machin. Et les quêtes de l'homme mystère, c'est que des énigmes en fait. Tu vas regretter d'avoir joué les voilà. Tu vas résoudre mes énigmes et récupérer mes trophées. Tu n'en as peut-être pas envie, mais tu le voilà. C'est d'une question. Bon, je connais le jeu, donc c'est pour ça que je sais pertinemment où aller, à quel moment, etc. Il est où le sniper? Il est où? Ah, il est là. C'est ça? Ah, oui. Analyseur d'indices. Donc là, je suis où, en fait? D'accord. Voilà, toute la map. Ça peut paraître peu petit, mais... ça, c'est sans compter tous les souterrains. Et les souterrains, je peux vous garantir que c'est presque aussi grand que la map elle-même. On va analyser. Voilà. Ah, il est sur Skype. Regardez qui voilà. Je ne t'ai pas vu depuis 8 ans déjà. Voyons, je me souviens d'un asile de monstres et... Ah oui, que tu m'as laissé. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tant pis. Tu dois te concentrer sur les gonfles. Dépêche un peu, l'heure tourne. Voilà. Yes, bim! Tout va exploser. Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Voilà, je pense que ça va être la fin de ce premier épisode de Batman Arkham City pour ce Let's Play. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Salut à tous.